Et salut petit tryharder, t'es bien sur la chaîne de Big Monster. On a pu reset l'encadré master, donc ça je suis vraiment content. C'est vraiment buggé en dessous de 2000 mmR, mais si t'es au-dessus c'est bon. Et du coup, bah enfin un encadré cohérent. Bon voilà, on est argent 1, même si le mmR c'est toujours bronze 3. Mais au moins, enfin c'est déjà beaucoup plus cohérent et ça s'en ira dans pas longtemps, dans quelques mmR, ça s'en ira. Bronze 3 après voilà. Donc au moins voilà, on est entre nous. Mais par contre, il y a un truc que je suis sidéré, c'est que les mecs qu'on joue, genre plus on monte de ligue, et plus les gens sont mauvais. Et ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Ok, petite win. Donc ouais, il y a un truc que je comprends pas, c'est que plus on gagne, et plus les gens sont mauvais. Donc ça, je comprends pas. Bon, et bah écoutez, ça fait une win. Et bientôt. 2324. Oh, il manque 3 points. Pour monter de ligue, monter bronze 2. On va jouer Noobies. Qui lui, pour le coup, a un vrai encadré bronze. On va voir. Mais ça fait pas de mal, des fois, de gagner un peu plusieurs fois de suite. Parce que faudrait que le gameplay évolue, quoi. Que les MMR montent un peu et qu'on commence à... Ok, moi, ça salive en chaîne. Et on prend. Franchement, on prend. On est bronze 2. Mais c'est vachement étrange que... Ouais, franchement, en fait, c'est marrant, mais c'est... À bas level, c'est une grosse soupe, et les niveaux sont pas du tout homogènes. Ça, je me rends compte. Il y a des gens qui sont en 2300, ils ont rien à faire en 2300. Il y a des gens, ils sont en 1900, là, ils ont un bon niveau. Moi, je pense à Mud. À Mud, et puis le mec qui fait sa liste. Alors ça, franchement, si vous l'avez pas vu, cette vidéo-là, il faut absolument que vous la regardiez. Alors je sais pas à quel MMR c'était, mais c'était avant 2000. C'est l'histoire d'un mec. Tant qu'il gagne, il veut bien te rejouer. Et si jamais il perd contre toi, il veut plus jamais te rejouer. Et du coup, le mec, il a une liste de toutes les personnes contre qui il a perdu. Et dès qu'il retombe contre en ladder, le mec il quitte. Il refuse de jouer. Donc le mec n'apprend jamais de ses erreurs. En fait, dès qu'il perd, il se dit, ah bah non, c'est cheaté, c'est un smurf. Ok, donc en fait, le mec n'accepte que de jouer. Plus faible que soi. Assez particulier. Hein. Ah, c'est giga particulier. Hein. C'est giga particulier. Alors, eh ben on est parti. D'ailleurs, je pourrais lancer un petit chrono boost. Il attaque. Timing, ça aurait pu être forge. On est entre 1 et 1-10. Bon, finalement, il retourne chez lui. Ok, bonne nuit. Et il veut me suivre. Ok. Alors en vrai je pourrais le faire un fake canon rush. Juste pour lui faire comprendre que... Oh il fait forge lui. Oh non mais c'est quoi ce mec encore? Oh là là, oh là 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 là. On a encore un hobbit. Il vit dans son trou, il est passif, il est gentil. Voilà. Oh il est dans son cyber. Mais tu fais quoi mec? T'as pas de gaz en fait? Ah si. Il lance le premier gaz. Ouais, mais c'est quoi son plan de jeu? Quand même scouté vite fait, mais il a envoyé qu'une probe dehors et j'étais là, je l'ai vu, donc il me suit avec deux probes. Pff, ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout. Hein. Je vois même pas où est la menace. Je vois même pas où est la menace. Ah, c'est pas mal ça. On va attendre un petit peu avant de faire le grand tour. Que je me régénère bien. Ici, je peux, en vrai, je peux aller là. Non, mais le mec fait du zélote. Non, mais pitié. Pitié, ça fait du zélote. Non, mais vas-y, je vais rush Void Ray. Oula. Oh, le misclick. Pas que je fasse le fou moi, c'est une fois que je l'ai perdu, je l'ai perdu. Hein. Oh le stalker. Bon bah du coup il fait bien l'anti-aérien. On va voir. Hein.
Mais ouais, du coup, peut-être un phoenix, du coup. Ça va ouvrir support, comme ça. Tac. Je suis bon pour faire un pylône. Il m'attaque, hein. Il m'attaque, le bougre. En vrai, j'irais presque mettre mon phoenix ici. Peut-être même une batterie shield, c'est assez fort avec Phoenix. Faut juste assez de gaz. En vrai, je vais les scouter maintenant. Avec deux Phoenix, on va faire double scout. Oula. D'accord, donc ça attaque. Bon bah du coup, on sait. Voilà, donc ça c'est la force Phoenix. Phoenix en défense, ça fait ça. Ça soulève sous des batteries shield et c'est super fort. Bon bah derrière je lui fais la même, non? On va juste niquer sa probe. Ah, j'ai cru qu'il allait passer en plus. On fait quoi ensuite? Robot. Forge. Oula. Ah, il tue Turtle. Tue Turtle, genre. On va scouter. Tiens, t'as pas fait d'unité, tu meurs. C'est une vraie? Ah oui. Oh tiens, il fait Phoenix aussi. Ok. Bah. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah, je voulais faire le conseil crépu aussi. Putain, j'ai besoin de tellement de gaz. Pour la tech et tout. La tech et tout. Tu connais pas la tech et tout? On l'a dit, j'ai la chef, lui, ou pas? Non. Bon, en tout cas, après, il joue défensif. On va voir s'il a un autre plan de jeu ensuite. Il a l'air de faire bah, comme moi. Il a l'air de faire comme moi, mais... Donc ça va être robot-imo. Non. Imo-phoenix. Couplé à quelques DT. C'est super fort. Est-ce qu'on rescoute ou pas? J'ai assez d'infos, hein, mais on pourra juste partir avec les Phoenix, juste pour voir. J'ai hâte de sortir mes premiers DT. Rien. Dommage pour l'oracle. Bon, il fait quoi? Je sais pas s'il a un plan de jeu. C'est idiot parce que même si je veux que scouter, ça lui met la pression parce qu'il le voit. Des fois, je me dis si je voulais scouter sans lui mettre la pression, faudrait qu'il voit pas.
Quoi? Il m'a fait quoi, lui? Attends, je vais scruter tout. Attends, mais il a ouvert ici? Mais à quel moment il est passé? Quoi? Il n'y a pas d'autre ouverture que celle-là. Comment il est passé? Il a ouvert au milieu? Regarde, elle passe ma probe là? Non, elle passe pas. Comment il a fait? Il a fait un trick du bâtiment? Attends, il sait faire ça à son niveau lui? Oh! Trop cheaté. Ça coûte un peu cher, mais... Genre. Ouais, du coup, ça marche. Faut juste trouver le petit coin pété, mais ça marche. Ok. Parce que tout le reste, c'est bien fermé. Bref. On ira regarder le replay quand même, hein. Je suis vraiment, vraiment curieux de ça. J'ai tellement parlé. Si avec ça, il a pas une chance de gagner, enfin... on va aller scouter, du coup. En vrai, Phoenix, ça met un peu trop la pression, en vrai. C'est bien, ça permet de scouter, mais ça met trop la pression. Du coup, à bas niveau, bon, ça met trop la pression. Par contre, à haut niveau, si tu sais que ça fait autant d'effets, pourquoi pas partir Phoenix, hein, tout le temps. Bah, t'as DT, ok. Accessoirement, on va scouter. Mais attends, mais le mec, il fait tout comme moi ou il fait quoi, là? J'ai tout perdu? Non. Ah, mais c'est des hallucinations. Oh, il est trop mignon. Il est trop mignon. Bon, par contre, mais il fait quoi? Il veut vraiment jouer toute une game macro, là? On fait une game macro là. Oh. Tout ça pour lui prouver qu'il pourra pas win. Bah ouais, bah du coup, parce que c'est pas... Est-ce que c'est un hobbit ou c'est un mec qui macro ça? Est-ce qu'il fait des unités? Il fait de la défense, il turtle. Hein. Ah mais il part quoi? C'est un phénix ça? C'est... Tempeste. Là, c'est le mec qui commence à partir Tempeste et tout, c'est un peu casse-couille. On va faire un des ops après. Hein. Faut que je fasse des gates aussi. Ça doit faire giga mal quand même. Hein. Ça tape. Hein. Oh la vache, qu'est-ce que ça fait mal. Ouais.
Bah, au final, il a pas beaucoup d'armée, quoi. Genre, il tech. Enfin, il est. Enfin, putain, il est 15 minutes de jeu, là. Ça tape vite, hein. Ouais, 15 minutes de jeu, mais qui a un seul porte-neuf. En fait, il a pas d'unité, quoi. Oh, mais il fait porte-neuf. Enfin, il fait Mothership. Ouais, mais là, enfin, le mec, je suis sûr qu'il a une banque de tarés, en fait. C'est pas possible. Elle est où, sa thune? Où est sa thune, en fait? Je demande à voir où est sa thune. Oh putain, ça nettoie à une vitesse ce truc. Oh la marée d'été. Ah, oh, je te jure, c'est trop kiffant. Puis là, grâce au Phoenix, mais avancez vous, avancez, écoutez. Il m'a buté mon ops. Putain. Il m'a buté mon ops. Donc normalement, je suis en train de mourir là. Ouais, ici du DT. Putain. C'est pas mal, hein. Je sais pourquoi il bute. Je sais pas pourquoi il bute pas mes propres DT. Attends, on a perdu tous les deux nos ops? Il bute pas mes DT. Attends, j'ai une idée. Il peut pas tuer mon tracker! Oh, j'avais jamais fait ça! Il peut pas tuer mes trackers! Le premier qui fait un op, ça win. Putain! Ah, c'est trop drôle! Et maintenant, il a la vision. C'est trop drôle. Oh putain! J'aurais jamais cru. Ah, il fait trop mal. Allez, où sont mes ops? Attends, quand je les soulève, ils sont plus invisibles? Quoi? Attends, quoi? J'avais jamais entendu parler de ça. Fait flotter l'unité ciblée dans les airs et l'empêche d'agir. Bah ouais, mais... La cible est soulevée dans les airs et est désormais vulnérable aux unités aériennes. Elle ne peut pas attaquer ou utiliser. D'accord. Alors, on va juste revenir en partie là. Juste avant que je pose ma B4. Le mec avec sa propre, je suis sûr qu'il a fait un bon. Et on va regarder sa banque. Le mec a une banque de tarés, c'est obligé. Attends, quoi? Genre par pur hasard. Ah non, ah non, le mec est entré par pur hasard. Ok, j'ai totalement inventé. Bon, sa banque. Il a pas de banque. Il monte à 1000, hein. Genre pour moi, dès qu'il a B3, il a une banque. C'est obligé. Que là encore qu'il ait pas de banque, je veux bien. Parce qu'en fait, il fait beaucoup de défense. Mais attends, mais...
Attends, mais le mec, c'est un cheater. Il fait exactement le même BO que moi. Immortel, Phoenix et DT. Mais c'est quoi ce cheater? Il prend. Mais c'est n'importe quoi. Il fait tout comme moi. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Mais il a pas d'écho là? Ah si. 4000. Mais il attend, mais il a. Mais non, il fait Mothership Core. Il a pas tellement d'écho que ça. Hein. Mais le mec, il a qu'une seule gate. Enfin. Comment tu veux jouer? T'as qu'une seule gate? Non, il a même pas de banque. C'est incompréhensible de savoir ce qu'il fait de sa thune. Hein. Incompréhensible. Bon bah voilà. Encore un gars qui. Bah ouais. Je sais pas. Mais en fait, il joue trop. En fait, il turtle. C'est. Est-ce qu'il m'a attaqué une fois? Il m'a pas attaqué, hein. Donc c'est un hobbit. Attends. Non, 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 c'est pas lui qui m'a fait deux trackers de zélote là? Non, j'ai peut-être. Non, j'ai abusé. Ah si, deux trackers de zélote. Je me rappelle même plus. Si, 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 moi j'ai fait. Oh, si, si, il m'a fait une petite attaque. Il m'a fait une petite attaque et après il a changé. Ouais. Mais après, le truc il fait qu'une seule gate, il turtle et après il joue R. Ça marche pas en fait. Là, c'est manque d'unité. Il fait pas assez d'unité, beaucoup trop de défense. C'est un hobbit sournois, il est pas tout à fait passif quoi. Mais il joue turtle, c'est pas bon. Faudrait peut-être une autre mort. Donc t'aurais la mort par manque, enfin la défaite par manque d'hostilité. Mais il y en a un, c'est même manque de production. Le mec il produit pas. Tiens, il y a les turtles, donc ok, manque d'hostilité. Mais ouais, bah remarque, c'est pareil. Hein. Si tu produis pas d'armée, t'es pas hostile. Ouais, bah je suppose que c'est la même mort en fait, hein, c'est la même mort, mort par manque d'hostilité. Bon bah voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo là. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à partager avec tes amis sur Discord, etc. Je te dis à la prochaine, c'était Big Monster, ciao ciao.